Bonjour, bonjour, on est parti pour voir un peu de Jin TV. Excusez pour le côté un peu rouge de mon visage, je sors d'un truc chaud, alors du coup ça fait cet effet, mais vraiment rien de bien important. Donc ici on est à... Du coup on a Jin TV. Donc Jin TV est actuellement à 79.3, parce que pourquoi pas, après tout, 79.3 c'est complètement insane. Et il est en golem contre golem, la dernière fois que je l'ai vu jouer. Bon après bon, il est contre une version qui joue les gobelins, je crois que c'est pas fou dans le match miroir, hein. Franchement ça me semble vraiment pas une carte que t'as envie d'avoir dans le match miroir. Alors que lui il a la Tombstone, qui est une carte qu'on a envie d'avoir dans le match miroir. Il joue pas du coup le bûcheron, et il a mis une tombstone à la place, ce qui permet d'attirer du coup forcément le golem comme ça. Et donc là vous avez vu, il prend déjà un très bon avantage. Le prince, comment il va être géré ce prince? Il est géré avec le golem directement sous la tour. Oh là là, il y a le nouveau golem qui arrive, il y a les bats, il y a tout. Ça va être très très compliqué à chaque fois. Souvent il utilise comme ça sa poison. Il utilise ses poisons de façon très offensive, hein. Donc là il gratte la tour, il gratte la sorcière noire. En fait, systématiquement en match miroir, son poison il va sur la sorcière noire, ce qui est normal, hein, ça évite les battes, etc., etc., etc. Souvent il est assez offensif pour pouvoir aussi gratter la tour avec son poison. Vous avez vu la défense qu'il fait avec la Tombstone, hein. Ici il fait vraiment ce qu'il veut, on a vraiment l'impression que c'est facile ce match-up, alors que... Bon, il a quand même l'avantage du match-up, hein. Pour moi, hein, Gobelin Prince c'est moins fort dans le match-up miroir, mais quand même, il arrive quand même à appuyer ça. Vous avez vu, hein, du coup, encore une fois, le poison qui regratte la Dark Witch et la tour, donc il faut vraiment mettre la Dark Witch plus haut potentiellement. Mais bon, c'est compliqué, il y a l'explosion, il reste plus qu'un seul poison, donc il a plus qu'à se défendre et remettre un poison, et il a gagné, et il passe à 83. C'est complètement insane, hein. Il est magique, hein. J'ai Jin TV et Artarfer, c'est deux joueurs là que j'ai pris un grand plaisir à regarder, qui ont un niveau de jeu qui est vraiment exceptionnel. Et donc Jin TV passe sur la 80e victoire, en espérant qu'il va relancer tout de suite. J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc ici on est contre, on est sur il y a quoi, il y a de la Battle Ram, et du coup il y a du Spam Bridge, hein, donc la version classique, hein, avec l'Electro Wizard, la PK, etc. C'est une version que vous devez connaître, hein, depuis le temps qu'elle existe. J'ai aussi fait quelques vidéos sur le channel dessus, si vous voulez l'apprendre, le découvrir, mais bon, je pense que vous le connaissez. La PK va être mise directement pour l'Arc UX, mais ici, ce que fait Surfer à chaque fois, c'est qu'il met immédiatement toutes ses troupes devant l'X-Bow, donc les archers, la Tesla, etc. Il met absolument tout, il remet les petits squelettes, et il arrive généralement à défendre de façon parfaite les PK, hein, qui n'ont jamais le temps de vraiment faire de la valeur. Et on peut le voir ici de nouveau, hein, la PK a pas eu le temps de générer de la valeur, l'Electro Wizard va mourir sous la tour. Et il remet directement un Arc UX, et il va sûrement remettre directement sa Tesla, etc., 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 ses petits archers devant. Ah! C'est très bien joué, hein, de la part du joueur de PK, ici. Est-ce qu'il va réussir à passer? Cependant, c'est pas évident, hein, parce que l'Arc UX ça se défend très très bien. C'est très dur, hein, mine de rien, de passer l'Arc UX sur ce match-up. À chaque fois, il y a 30 millions de moyens de défense depuis que ses archers ont été up et depuis que la Tesla a été up. Bah, c'est redevenu vraiment très très efficace. Donc ici, on remet la Tesla qui va permettre de stopper la Battle Ram avant que la Battle Ram connecte dessus en plus, tant qu'à faire. L'Arc UX est géré directement avec le fût à Barbara. Donc ici, on peut voir que le joueur de Paradis, il joue pas la version exacte du Spam Bridge. Au lieu de mettre une voleuse, il a essayé de mettre le fût à Barbara, ce qui mine de rien l'aide bien quand même, parce que ça lui permet de directement faire des dégâts et aller derrière l'Arc UX. On a une nouvelle Battle Ram qui connecte, les petits barbares. Est-ce qu'ils vont réussir à passer? Est-ce qu'ils vont réussir? Ouais, c'est pas dit, c'est vraiment pas évident. Alors on a de nouveau un Arc UX qui arrive à connecter cette fois-ci, hein. Ça fait extrêmement mal, la boule de feu qui est immédiatement mise. Il joue tellement bien Surfer. Il a des temps de réaction qui sont magiques, quoi. Vraiment, là l'électro bizarre ça coûte cher. Moi je sais pas si je l'aurais claqué comme ça, mais bon, peut-être qu'il va aller chercher le draw en face, mais bon. On a un nouvel Arc UX qui arrive, et du coup on est détourné avec la Battle Ram. On va sûrement avoir du coup des unités devant, mais est-ce que ça va suffire? Les petits archers maintenant qui meurent plus, hein, sur le barrel, donc là ouais, il est obligé de claquer le zap en plus, mais du coup il a pas pu zapper les petits squelettes qui sont arrivés après, mais cependant il arrive quand même à bien défendre. Hein. Principalement je pense grâce à son double sort, grâce au fût à Barbare, ça allait être vraiment bien. Cependant, voilà, il arrive un peu à gratter, mais est-ce que ça va suffire? Il reste 1 minute 27 pour réussir à passer chez Air Surfer. Ça va être très compliqué. La PK qui est mise en premier lieu. Air Surfer, il a décidé de commencer à Spell Cycle. Donc, ici, il reste potentiellement du coup 3 boules de feu et une bûche. Donc, c'est jouable, hein. Potentiellement, il peut finir de Spell Cycle en 1 minute 12. Hein. C'est un deck qui cycle très rapidement, l'Arc UX 2.9. C'est comme le Hog, hein, c'est un deck qui a vraiment du très très fast cycle, et c'est très serré, hein, mine de rien ici. On a Air Surfer qui a de nouveau cycle, il va sûrement remettre une boule de feu incessamment sous peu. Il reste plus que deux boules de feu et deux bûches, donc ça peut aller très très vite, hein.
On a une Tesla défensive, voilà, ça cycle offensif, ça ramène l'esprit de glace, l'esprit connect. Ok, donc là il reste plus qu'une boule de feu pour aller finir ça. Oh là 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 là, et ça passe. Ah, il est chaud là, ça. Il est vraiment très très bon. Hein. Il est incroyable. Hein. C'est dommage qu'il dodge une TV. Hein. J'aurais bien aimé voir si est-ce qu'il arrive à se débrouiller contre Golem. Mais bon, évidemment, c'est très compliqué de jouer contre Golem. Hein. Donc là, il va sûrement relancer direct Air Surfer vu qu'il voit que Jhin est en game, évidemment. Alors, on a Jhin contre Grisa. Ok, donc Jhin, il est en début de game. Bon, moi, j'adore l'arc UX et j'adore le deck Golem. Donc, bon cœur balance entre les deux et les deux joueurs sont vraiment exceptionnels. Donc, bon, là, on est reparti sur du Jhin TV. On a Grisa qui joue du coup du Golem également. Donc, on va sûrement partir sur un Golem devant la Dark Witch. Sinon, ça serait bizarre d'avoir mis la Dark Witch en front comme ça. Mais le Golem, mais le Golem. Non, non, non. Vraiment, je pense que dans ce genre de match-up, vous avez vraiment pas envie de sacrifier la Dark Witch. Et en plus, il avait le golem en main, donc il aurait pu le mettre devant. C'est vraiment. Et là, la MG, je l'aurais mis devant. Hein. Je l'aurais mis directement sur le bébé dragon. C'est vraiment bizarre hein, ce qu'il fait Grisa. Bon, ok. Du coup, il va quand même y avoir une certaine défense côté Jhin. Il y a les petits squelettes de la Tombstone, il y a les bats. Donc ça va devrait pouvoir cleaner ça. Et bon, j'ai pas trop de doute sur le fait. Là, il est vraiment mieux parti, Jhin TV. Il a le push comme il veut. Bon, il va prendre cher sur son golem parce que du coup, il y a le bûcheron, etc. Mais très bon feed barbare hein, cependant. C'est vraiment super serré ici. Hein. Voilà, le golem il commence à réussir à passer. On a un nouveau golem en face. Et vous avez vu, il y a toujours la MG. Donc, ok, la MG gérée par la MG en face. Ça, c'est bien joué. Il faut vraiment immédiatement sniper avec votre méga garouille. Souvent, le meilleur positionnement sur la méga garouille, c'est la mettre au niveau du pont directement. C'est pas vraiment une carte que vous avez vraiment envie de mettre dans le fond de cour. Ici, la Dark Witch, elle est trop collée au golem. Hein. Du coup, le bébé dragon arrive quand même à faire de la OE dessus. Mais voilà, il va falloir gérer ce push maintenant de côté Jhin TV. Ça va être très très compliqué. Hein. Il y a la tornade. La tornade permet de reset, de tuer les petites battes, etc. Mais est-ce que ça va suffire? Le golem va mourir avant la tour. Mais il y a quand même pas mal de troupes derrière. Hein. Oh là 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 là, ça va être le push qui va prendre la tour. Hein. Ici, Jhin TV, il se met bien. Je l'ai pas vu perdre un seul match-up miroir de golem. Alors que pourtant, il en joue du golem. Hein. Il tombe sur des golems en futur. Voilà, mais à chaque fois, il l'emporte. Hein. C'est vraiment hallucinant. Très très bon joueur, hein, Jhin TV. Il n'a pas le bûcheron, il a la tombstone dans son deck, ce qui lui permet de décaler les golems, etc. Et mine de rien, ça fait vraiment une différence énorme. Voilà, Air Surfer a lancé parce que bah, Jhin était en game, hein, donc vu qu'il a vite Jhin, dès qu'il voit que Jhin est en game, il lance. Donc Air Surfer, il est contre Mugiwara, donc... Tac, tac, tac. C'est normal, hein, c'est parce qu'il fait la course avec Air Surfer sur la fin et puis il a peur de tomber contre. Donc Mugiwara est pas en golem, hein, malheureusement pour lui, il est avec des barbares, donc Air Surfer, il devrait pouvoir se faire plaisir. Il va mettre un arc UX défensif, c'est très bien joué, hein. C'est ici qu'il fallait le mettre, hein. Si tu le mettais trop tôt, dans tous les cas ça prenait l'aggro sur les barbares, donc ok on recycle le zap en face, c'est surprenant. J'ai du mal à comprendre pourquoi, mais on va peut-être vite le découvrir. Hein. Il reste à dire source. Est-ce qu'il lag? Est-ce qu'il vit dodge? Est-ce qu'il fait exprès de perdre? C'est jamais évident de savoir. Hein. Ok, on a un géant qui est posé. Évidemment, hein, si vous avez joué. Donc là, c'est du beatdown géant. Ok. Géant, c'est pas dégueu hein, contre Arcux, mais je suis pas sûr que ce soit suffisant. En plus, il joue 2 Witch, ce qui est vraiment pas forcément fou contre Arcux. Le géant, il a déjà pris, mine de rien, beaucoup de dégâts pour rien. Là, il a mis d'HP, mais il a tanké pour personne encore. Donc, c'était pas dingue, c'était pas le play de l'année non plus. On a la MG qui va aller mourir sous la tour avec les petits archers. Ça devrait être assez simple au final pour l'ami Air Surfer ici, je pense. Il n'y a que 6 ressources en phase, donc il peut largement se permettre de remettre son Arcux. L'Arcux va passer du temps à tuer les barbares, mais là il les a mis trop tôt, du coup les archers ont fait mal. Le temps qu'il récupère la mana pour Zap, bah, au final il a pris quand même super cher. Il remet un mineur de vente, mais ça va pas suffire. Hein. Ici l'Arcux va faire très très mal, la MG va mourir seulement après avoir mis un coup sur l'Arcux. Donc l'Arcux a le temps de connecter. Il y a la boule de feu qui est claquée, mais Air Surfer il va pouvoir recycler très rapidement sur l'Arcux, voilà, immédiatement évidemment. Ok, il y a le géant qui est mis. Donc ça, le géant, ça va être une bonne défense. On risque de voir la Tesla qui va arriver ici et les petits archers qui vont arriver devant. Ou les petits squelettes, hein, ça fait également très mal au géant. Vous avez vu, le géant, il n'a pas le temps d'avancer, hein, il n'a pas le temps d'aller jusque l'Arcux, il est déjà mort. En plus, avec la bûche qui regrette 84 dégâts à la tour, ça passe largement. Très belle boule de feu hein, qui permet de gratter suffisamment. Il est très très réactif, Air Surfer sur les boules de feu, c'est vraiment insane à chaque fois. Hein. Et c'est la tour qui tombe, bon, et là Air Surfer a gagné, hein. Il reste plus que 14 secondes, donc on ressort et on retourne voir si Jhin TV
Si Jin TV est en game, il est en game, parfait. Ok, donc Jin TV, il joue quoi? Il joue contre de l'Arc X, justement. Donc, bon, bah là, l'Arc X, il va se faire démolir. C'est exactement le match-up que Surfer cherche à éviter. Hein. Donc, il reste plus que 32 secondes. Donc, on a Elixir x2. Donc, là, il peut très bien se permettre de mettre du coup du golem en boucle devant. Il voit l'Arc X qui est posé, il met directement le golem, il attend pas. Évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est exactement comme ça qu'il faut le jouer. Vous mettez les golems en boucle et vous risquez à peu près absolument rien. Vous pouvez même recycler vos golems ici en permanence, moi c'est ce que je fais et ça marche vraiment très bien. Là, du coup, vous avez tout le temps un golem sur le terrain, l'Arc UX n'arrive jamais à connecter, vous réussissez à gratter petit à petit avec vos différents poches, comme là on peut voir à gauche avec le bébé dragon. Donc là ça va redéfendre, si un Arc UX qui est reposé ça va partir en golem directement. Là on peut voir qu'il ose pas partir sur la Dark Witch immédiatement pour ne pas bah, pour justement avoir les ressources suffisantes pour. Donc là il recycle son deck, il espère qu'en face ça va mettre de l'Arc UX et donc il claque que des cartes qui coûtent 2, 3, il claque pas de cartes qui coûtent 4 de peur que bah, ça mette directement l'Arc UX et qu'il arrive pas à le retarget dessus parce qu'il joue pas Zap hein, ici. Donc là il le met, est-ce qu'on va avoir un Arc UX? Il se dit que de toute façon le temps que ça tue la Tombstone, au final ouais il avait raison, bon après bon ça a été de jouer en face. Mais ok, donc ici, ok, c'est la nouvelle victoire et on va voir du coup le prochain qui relance. Ok, donc on a Jhin contre Axu. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que joue Axu? Qu'est-ce que joue Axu? Bon, pour l'instant, ça attend. Il joue potentiellement du Golem aussi. Jhin TV, il joue Golem, hein, donc il a pas envie d'engager le jeu ici, évidemment. Donc il joue pas le golem cambrial, hein, il joue pas avec le bûcheron, il joue avec la tombstone ici. Hein. C'est la seule différence dans le deck. Ça joue 3 sorts, hein, ça joue le fil barbare, ça joue la tornade, ça joue le poison. Ensuite ça joue en unité bah, de support, ça joue du coup la tombstone, ça joue la sorcière de la nuit, la méga gargouille, le bébé dragon, et il y a le golem évidemment. C'est une version assez classique, hein, mais il est très très solide avec. Hein. Alors, qui va jouer avec... C'est bizarre qu'il engage Jhin. Il a peut-être pas son golem en main et du coup il se dit non mais attends, ça va pas le faire sinon. C'est possible. Hein. Du coup il sait qu'il est contre golem parce qu'il sait que l'adversaire a attendu suffisamment longtemps. Et la Dark Witch c'est vraiment, encore une fois, hein, c'est vraiment pas comme ça que vous voulez défendre le golem. Hein. C'est une erreur hein, de la mettre. Hein. Peu importe ce que vous avez à la place en main, il faut vraiment pas cliquer la Dark Witch comme ça, il la faut vraiment derrière le golem. Hein. C'est une énorme erreur de la part d'Axu de mon point de vue. Hein. Du coup, en plus, j'ai quand même un minimum d'expérience en golem contre golem et c'est un match-up sur lequel je me débrouille pas trop mal et Jhin il est un dieu en golem contre golem, hein. Je l'ai pas vu perdre un seul golem contre golem depuis tout à l'heure. Et vous avez vu, hein, là, la Dark Witch, elle génère suffisamment de valeur en face, il n'y a pas la réponse parce que bah, du coup, on n'a pas pu répondre. On a claqué la Dark Witch trop rapidement pour défendre et du coup, c'est la tour qui tombe directement. En golem contre golem, c'est simple, vous voulez simplement pusher, vous voulez pas spécialement défendre, vous voulez que ce soit votre attaque qui soit la plus solide, donc vous voulez qu'il y ait la sorcière de la nuit derrière le golem et votre idéalement votre bûcheron derrière si vous jouez bûcheron, et sinon bah, la place de Jhin du coup avoir une tombstone qui est opposée sur le carré, opposée en face. Par exemple sur un golem qui arrive ici, la tombstone vous la mettez ici, exactement là, bim 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 sur ce carré là. Et du coup ça attire le golem dessus et vous pouvez clean les unités de soutien derrière pendant que le golem va marcher vers la tombstone. Donc vous pouvez attirer les unités autrement, vous pouvez mettre par exemple un bébé dragon ici etc, ça va attirer les unités pendant que le golem lui va être attiré par le bâtiment. Bon dans tous les cas du coup Jhin il a pu avoir ses attaques comme il veut, il va pouvoir défendre le golem tranquillement. Vous avez vu c'est exactement ce positionnement là qu'il faut faire sur la tombstone. Hein. Il le sait Jhin, hein. Jhin c'est un joueur professionnel des CRL Asie, c'est un très très bon joueur, évidemment il connaît les positionnements à faire. Hein. Et là il réattaque de la même façon en 3 étoiles parce qu'il sait que de toute façon ça va passer pour lui et voilà c'est la victoire en golem contre golem mais de façon aisée, hein. C'est tranquille pour lui hein, parce qu'il a fait une erreur en face, hein. Du coup il a réussi à forcer l'erreur en face, c'est ça qui est GG de sa part, c'est qu'avec la tombstone et avec le fil barbare il a réussi à provoquer l'adversaire et à lui forcer une erreur. On est reparti directement sur du Air Surfer, est-ce qu'il va arriver à faire une nouvelle victoire avec son deck Arc UX? Il est contre le deck Kamen de Ravard, moi je vous l'ai dit. Je ne trouve pas, alors pour une raison que je ne comprends pas tout à fait, à part que la cabane, effectivement l'Arc UX la défend bien, je ne trouve pas que le deck de Minchuk soit forcément contre l'Arc UX. Je trouve que l'Arc UX a complètement ses chances dessus. C'est un match-up que je...
Si je devais choisir, je prendrais quand même le deck de Mitchak, mais quand même, c'est quand même pas évident. Parce qu'en fait, il a tellement de moyens de défensif, l'Arc UX, que bah, les Orléans recrues, etc., elles se font attirer vers le milieu de map, et ça avance vraiment pas trop. Ici, c'était questionnable, cette boule de feu pour 5 HP du Dargolin. Ok, donc on repart sur des recrues royales, j'aurais mis plutôt au moins les 4 recrues à gauche, pour le coup. Je trouve ça assez surprenant qu'il ait décidé de les mettre de ce côté, sachant qu'il a déjà les barbares, et que du coup, il peut pas... Bah, il double la ligne pressure pas, parce qu'à gauche, oh là là, ça va finir, il va finir à la boule de feu. Surfer. Il va finir tranquillement la boule de feu. Mais ouais, donc moi je pense que Air Surfer a quand même, est quand même pas forcément désavantageux dans ce match-up. Hein. Et du coup il l'emporte directement. Ok, on va repartir sur du Jhin TV hein, qui a dû lancer, hein, qui doit chercher à être devant, donc qui lance en boucle, en boucle, en boucle. Là. Parce que lui il a pas besoin de dodge l'autre. Hein, donc voilà, il a relancé directement. Alors, Jhin TV contre Nightwing. Nightwing, qu'est-ce qu'il va nous jouer à l'ami Nightwing? C'est sûrement sur du Golem-Golem. Donc là, cette fois-ci, Jhin TV, il doit avoir sa Dark Witch en main, il doit avoir le Golem en main. Sinon, il aurait pas attendu autant, il aurait fait comme tout à l'heure, il aurait engagé sur la Tombstone, sur le barrel, etc. Donc, ok, surprenant. Ok, Nightwing, il joue pas Golem. Bah voilà, toutes ces surprises. Hein. Donc, ok, Nightwing il part en push Valkyrie Ballon, Valkyrie Ballon, Valkyrie Ballon. La Thompson est mise pour détourner le ballon. Les bats vont aller faire quelques dégâts au ballon. Oh, très très belle tornade. Oh là 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 là. Je me demandais pourquoi il avait positionné cette tornade, pardon, sa Thompson à cet endroit-là, mais c'était justement pour attirer le roi, pour activer le roi. C'est tellement bien joué parce que du coup, le roi ça va être quand même bien. Et mine de rien, sur un ballon ou autre, du coup, vous pouvez faire les tornades milieu de map qui permet de reprendre les coups de canon sur le ballon et qui. L'empêche de connecter et c'est vraiment super solide. Ok, donc on a un premier golem qui arrive, cependant sans troupe de support derrière parce que le bébé dragon va prendre l'aggro devant sur la tour. On verra comment c'est défendu. Il utilise sa Dark Witch pour avoir les bats, pour pouvoir défendre le ballon. Les bats vont aller faire très très mal au ballon, mine de rien. Non, parce qu'elles sont tuées par le sorcier, donc il va devoir faire une tornade défensive potentiellement. Oh là là. C'était super chaud. Il l'a pas fait, il a su que ça allait, mais c'était vraiment super serré. Le poison qui permet de gratter tout le monde. Très très bon poison ici. Hein. Oh là 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 là. Oh ce poison. Oh là là. Oh là là. Oh, il est tellement chaud, Jhin TV. Il fait pas d'erreur en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle du gameplay flawless. Hein. C'est vraiment sans faille quoi. C'est tellement bien joué. Ok, donc il y a la Tombstone qui est remise immédiatement, qui est mise très haut, qui permet d'attirer le ballon, qui permet après d'avoir du coup les coups de connexion du canon dessus, du roi, bam, bam, hop, le roi connecte dessus. Donc il le sait très bien. On risque de revoir un golem qui va repartir par là-bas. Non, ok, donc on a le poison. On va gratter principalement au poison. Bébé dragon, bat. Oh là 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 là, ok, donc là ça va être deny hein, le push évidemment de Jhin TV. Donc ici on est reparti. Nightwing il va sûrement remettre un ballon bûcheron. Donc on va revoir une Tombstone qui va arriver là. Il répète à peu près les mêmes interactions depuis tout à l'heure. Mais ce qui empêche l'ami Jhin TV de pouvoir mettre son golem, sinon il peut se faire rusher très rapidement avec le bûcheron rage. Et il fait très attention à ça, hein, c'est vraiment bien joué. Hein. C'est ça aussi qu'on reconnaît les gros joueurs, hein, c'est que là voilà, il gratte par exemple le poison à chaque fois. Et il n'utilise pas son golem parce que bah, il sait que s'il pose son golem, il peut se faire rusher sur la fin. Et lui, il pourrait faire en partie en 3 étoiles, mais il perdrait déjà la tour avant, et évidemment, c'est la première tour qui tombe qui gagne. Hein, donc il fait très attention à tout ça, et voilà, il pose le golem seulement maintenant, parce qu'il sait que le ballon est pas en rotation, que l'adversaire va devoir se défendre. C'est très très bien joué. Par contre, ici, on n'a plus beaucoup de ressources, est-ce qu'il peut quand même se défendre sur le ballon? Le ballon va être full comme ça, on a récupéré maintenant de quoi faire la tornade s'il y a besoin, mais je suis même pas sûr qu'il y ait besoin. Si, tornade quand même. Ouf. Où il y avait gel, oh là 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 là. Ok, donc il a gagné Jhin TV, oh là là, c'est tellement serré, c'est tellement beau. C'est incroyable, hein. Ce rush de fin, il est épique, quoi. Je suis tellement hypé, quoi. C'est-à-dire qui va être premier, quoi. C'est vraiment le rush de fin entre Jhin TV et Air Surfer, quoi. Air Surfer est repassé devant, là, évidemment. Oh là 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 là. Air Surfer va sûrement pas relancer, hein, tant que Jhin n'aura pas relancé, donc bah, Jhin va devoir relancer lui-même. Ok, donc Jhin lance, évidemment, hop, on est reparti. Donc, on est contre Daniela. À tous les coups, Air Surfer, il a un autre compte qui est connecté, qui inspecte les parties pour savoir quand il a fini ou pas, Jhin TV. Donc, on a Daniela qui lance un premier esprit de glace. Bon, le problème de Jhin ici, au niveau du rush, c'est qu'il a un deck lent. Golem c'est quand même lent et du coup les parties sont longues, du coup Air Surfer a toujours le temps de caler sa victoire pendant les matchs quoi. Donc il y a le bébé dragon qui est géré directement.
Ok, donc là on met la petite ornade hein, qui permet d'attirer évidemment deux poules le roi. Donc là le roi est activé, il se met super bien JD. Ok, donc Daniel là il va remettre un petit esprit de glace qui va faire tomber l'AMG, mais ici ça va être très compliqué pour Daniel là je pense. Hein, parce que JNTV, vu le niveau qu'il a montré depuis tout à l'heure, il va falloir montrer un très très gros niveau en bait. Et mine de rien, le bait Tesla contre Golem c'est pas si facile que ça. Hein. C'est clairement pas si simple que ça. Vous avez envie d'avoir la tour infernale ou quelque chose comme ça, surtout que là il n'y a pas de zap, il n'y a pas de foudre, il n'y a rien. Mais la version avec la Tessa c'est compliqué. Après en même temps il sait que JNTV tourne, hein, donc il sait que bah, du coup potentiellement il peut tomber contre. Donc c'est assez risqué les épéils en même temps de partir sur autre chose. Hein. Donc ici on a le premier page golem qui arrive, hein. Le page golem il va faire très mal, on a quoi pour défendre? On a le fuite barbare en théorie, mais il n'y a même pas besoin parce que le roi est activé, il a raison. Hein. Vraiment, vous embêtez pas à défendre contre comme ça, mettez tout en attaque. Il n'y a pas de raison d'attendre le poison qui va permettre de gratter la princesse, qui va permettre d'éviter qu'elle arrête qu'elle tue en boucle les petites battes. Hein. Les petites battes vont un peu mourir sur le gobelin lance, mais c'est tout. Et là on repose directement toutes les unités au pont hein, côté de JNTV, il a bien raison. Dès qu'il a l'élixir, il les met au niveau du pont. Et la tour tombe, hein, je voulais dire, hein, le matchup est très très compliqué pour Daniel là ici. Hein. Le matchup est vraiment dur, là il va pouvoir mettre un fuite barbare défensif, il n'a pas besoin de laisser la tour tanker comme tout à l'heure, parce que de toute façon il a les réponses. C'est exactement ce qu'il décide de faire. Du coup, il va repartir en push 3 étoiles JNTV, il y a une roquette qui a été mise, donc potentiellement il va remettre son golem derrière et pas devant, voilà exactement ce que j'aurais fait aussi. Oh, il est chaud. Hein. JNTV il joue tellement bien, il connaît tellement bien le match-up, il sait exactement comment jouer son golem, c'est vraiment impressionnant. Daniel là, il reste un petit peu full ressources, mais là ici il sait plus quoi faire. Hein. Il met une Tesla devant, mais évidemment il va essayer de spammer les barrels, mais ça va pas suffire ici. Hein. Le B Dragon va défendre, il y a même pas besoin de mettre Barbarian Barrel. On repart avec une Dark Witch. Donc c'est surprenant hein, parce qu'il joue la version Tombstone et pas la version Bûcheron, hein, ce qui est aussi du coup ses défauts, mais alors ça lui pose absolument pas le problème de pas pouvoir bénéficier de la rage du Bûcheron. C'est fou. Hein. Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on peut souvent se dire, c'est que la rage du bûcheron en bidon elle est vraiment forte et le bûcheron en soi il est vraiment solide aussi. Il permet de bien défendre les géants royales, etc. Et puis ouais, sa rage et ses dégâts ils sont vraiment insane. Et de nouveau, une victoire pour JNTV hein, qui vraiment ne s'arrête pas quoi. Il est incroyable. J'aurais jamais imaginé qu'il y ait des mecs qui arrivent à aller jusqu'à 85 victoires alors qu'on a le droit qu'à 4 défaites quoi. Vous vous rendez compte le niveau des joueurs quoi. Air Surfer a lancé et a gagné apparemment contre du golem aussi. Incroyable, s'il avait vraiment gagné contre du golem, c'est vraiment chaud. C'est fou. Ok, donc on est sur du 86 victoires hein, côté Air Surfer, 85 côté Jhin. J'aimerais tellement qu'ils tombent l'un contre l'autre, hein, ça c'est vraiment. C'est dommage, hein, c'est dommage qu'Air Surfer il dodge, hein, parce que vraiment j'aimerais trop les voir l'un contre l'autre. Hein. Ok, donc on a Riohei contre JNTV. C'est vrai qu'on suit beaucoup le joueur golem, vous voulez peut-être voir le joueur Arc-X. Allez, on va regarder le joueur Arc-X pour changer un peu, on va vous faire plaisir. Tac, 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 et on est parti sur du Air Surfer. Alors, Air Surfer, contre quoi il tombe? Contre potentiellement un match-up miroir, potentiellement du Hog. J'aimerais beaucoup que ce soit du Hog de Pansy, j'aimerais beaucoup voir le match-up. Ouais, non, c'est du Arc-X. Non, non. Ok, donc directement il a vu les archers en fond, il met directement son Arc-X, il y a l'Arc-X en face qui est mis, mais Air Surfer il a déjà pris l'avantage énorme. Hein. Ce qui est dingue, c'est que sur des matchs à miroir, ils arrivent quand même à prendre l'avantage systématiquement, quoi. C'est vraiment fou. Hein. Je m'attendais à avoir une Tesla ici posée plus rapidement de la part de Ike, mais mine de rien, il est pas si mal que ça, il a fait autant de dégâts que. What the fuck? Pourquoi t'aurais boule de feu ici? Pourquoi il a boule de feu ici? Trop bizarre. Je n'arrive pas à l'expliquer. Si vous avez une explication en regardant la vidéo, je vous laisse me dire. Ike est full ressources, donc il recycle. Il recycle encore. Ok, il remet ses archers, on va revoir un Arc-UX défensif cette fois-ci côté Air Surfer. Et on a un contre-Arc-UX qui a été mis, donc l'Arc-UX va réussir à connecter sur le golem de glace.
On va sûrement revoir une Tesla bientôt, mais il y a un Arc-X qui a été connecté sur l'autre Arc-X, donc évidemment ça fait une différence énorme. Le golem de glace n'a pas pu apporter grand chose, donc là, Airsurfer, enfin, repositionner un Arc-X offensif. Hein. Exactement maintenant, donc c'était, oh là là, c'était tellement bien anticipé, il joue super bien, mec. Hein. Là pour le coup, il perd la tour, mais anticiper le moment où il allait mettre l'Arc-X avec la Tesla, c'était vraiment super bien joué. Là, on peut voir qu'Airsurfer, il protège également sa tour hein, sur un push Arc-X en face. Et du coup, il y va simplement la boule de feu. Et c'est également très bien joué de la part de Ike. Hein. Il n'y a pas besoin de plus ici. Hein. Il a raison. Il a raison de claquer ses ressources comme ça. Il sait très bien que s'il aurait mis un Arc-X, ça ne serait pas passé. Maintenant, du coup, ça va être ça va jouer en deux tours contre. Ça va être compliqué. Hein. Parce qu'il y a un golem de glace toujours côté Airsurfer hein, qui va pouvoir défendre. Du coup, l'Arc-X va pouvoir connecter sur l'Arc-X. On finit la tour avec la boule de feu côté Ike. Mais là, il va prendre cher. Hein. Il va prendre très très cher. La Tesla, heureusement pour lui, est quasiment finie. Mais les petits archers vont se faire dégommer par tout ça. Il y a de nouveau le golem de glace. L'Arc-X va reconnecter sur la tour. C'est tellement bien joué de la part d'Airsurfer. Les match-up miroirs comme ça, croyez-moi, c'est vraiment pas si évident que ça. Hein. Et on a quand même mis la tour à 1000 HP côté Airsurfer. Ok, donc là, quand il est en situation comme ça, il préfère remettre un Arc-X du côté de sa tour. Donc collé à sa tour, c'est vraiment surprenant. Donc il préfère voilà, l'avoir collé à sa tour pour pouvoir défendre si l'adversaire décide de reposer un Arc-X ou autre. Et il va gratter au sort. Ok. J'ai du mal à comprendre le positionnement de cet Arc-X là, par contre. À part faire une garde Arc-UX, mais du coup l'Arc-UX en face était déjà là, je sais pas. Je sais pas exactement pourquoi il a fait ça, l'ami Ike. Donc on a de nouveau un Arc-UX défensif, et il va sûrement continuer à recycle ses sorts pour aller finir juste avec les boules de feu, bûche et compagnie, voilà, exactement. Il voit qu'il peut gratter une petite archère en plus, donc il le fait, et il reste plus que 4 boules de feu pour les finir. Donc derrière, on a un Arc-UX offensif qui a été mis, donc on a l'Arc-UX défensif qui va permettre évidemment de défendre tout ça. Hein. Donc s'il le met défensivement comme ça, au final c'est juste pour pouvoir recycler des sorts, donc c'est... Oh là là là. Mais comment on peut faire 85 victoires, 86 victoires en Arc-UX sans faire 4 défaites quoi, c'est vraiment incroyable parce que ce deck est vraiment loin d'être simple à jouer. Hein. On a de nouveau une boule de feu qui permet de gratter l'Arc-UX, qui permet de gratter le golem, il reste plus que 3 boules de feu pour les finir. Et là Ike il le sait, hein, il sait qu'il doit finir à l'Arc-UX adversaire, mais il doit pas savoir comment. Il y a l'Arc-UX en face qui arrive à connecter et Airsurfer l'emporte. Cette maîtrise du match-up est hallucinante. Elle est magique, hein, C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Il reste plus que 26 minutes. JinTV pour ce temps-là est en match. Toujours pas fini. Oh, il va perdre! Mais non! Il a perdu. Oh putain, je suis désolé qu'on ait pas pu voir ce match du coup. Oh non! Non! Non, il a perdu. Bon, bah, il ressort fort, il est royal au bar là. Il peut rush pendant 26 minutes maintenant. Ah merde, je suis désolé qu'on ait pas vu le match qui vous y perd quand même. Bon, on pouvait pas le savoir après, mais. Oh, merde. Je savais qu'il était bien revenu, hein, parce que bah, du coup, forcément, il y avait les mises à jour, etc. Qui permettent de buffer l'archère, la Tesla, etc. Ah, il relance, parfait, allez, c'est reparti. C'est parti, un petit match d'Airsurfer quand même pour la célébration de sa victoire. Hein. Il le mérite. Alors, ici, il joue quoi? Il joue donc du coup le petit esprit de glace directement pour recycler. Il est contre du Mortar très probablement en face. Ok, donc on a quoi? On a le golem de glace qui retourne derrière. On a du chevalier, 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 chevalier. Ok, c'est vrai que j'en vois pas souvent dans les decks Mortar, donc je sais pas ce que c'est. Le canon, ok, le canon qui est très bien mis. Oh, les archers, il les met très haut, en fait, moi c'est un truc que j'ai appris avec lui, c'est que du coup les archers, il n'hésite pas à les mettre devant son Arc-UX, il les met très très haut et en fait il les fait DPS directement. Il s'en fiche qu'elles meurent, en fait, il utilise vraiment leur DPS instantanément. On est sur du bait apparemment en face. C'est vraiment surprenant. La decklist est. Enfin, en fait, avec les gobelins à lance, je la connais pas. Donc, il reste à 10 ressources. Donc, on est ok sur un mix de enfin de logique Mortar et de bait. Ok. Donc, avec du mineur, du coup, potentiellement, la dernière carte, c'est quoi? C'est sûrement un sort. Sûrement une roquette, ou un poison, ou une boule de feu. Ok. Donc, Airsurfer, comment il va se débrouiller contre ça? Donc, il a quand même pris quelques dégâts à droite. Bien sûr, il a gratté à gauche. Il y a le chevalier qui est de nouveau mis. On va sûrement défendre, voilà, la Tesla tranquillement.
La bûche qui permet de gratter la princesse. Ici, il voit qu'il a battu le gobelin. Donc, il sait très bien qu'il peut se permettre de mettre la bûche comme ça, offensivement. Ça gratte 84 sur la tour. Ça défend la princesse. Ça évite que lui-même se fasse gratter. Et il va sûrement repartir, du coup, incessamment soupé en arc UX. Donc, là, le mineur qui est un peu envoyé au suicide. J'ai pas trop compris ce move. Du coup, il perd 3 ressources. Donc, il ressort fort. Il en profite évidemment immédiatement. Le golem de glace qui est mis dedans. Parce qu'il savait très bien qu'il allait mettre le canon en face. Les archers qui sont mises très hautes, comme tout à l'heure, comme on avait vu. Par contre, du coup, il n'y a pas de bûche en face, donc on va pas pouvoir finir tout ça. Ok, la bûche vient seulement de revenir, mais là elle a gratté que 2 gobelins et un peu le chevalier, donc évidemment ça n'a pas fait une différence énorme. Et on retourne sur les 10 ressources. Donc qu'est-ce qu'il va faire comme premier play? C'est aussi le genre de truc que je me demande. Hein. Si vous connaissez pas bien le 2.9, savoir sur quoi engager le jeu, c'est vraiment pas forcément évident. Ok, donc il va sûrement boule de feu les minions. Voilà, exactement. Il y a le gant qui est remis. Il nous faut récupérer la bûche ici. Sauf que là, dans tous les cas, ça aurait été. Ah non, même pas. Ça passe. Il arrive à avoir la collection sur la tour. Sinon, il arrive tellement facilement à connecter sur la tour. On est obligé de zapper pour le re-reset et gratter un petit peu les dégâts, mais il va quand même pouvoir reconnecter de nouveau sur la tour. Et après, on arrive à porter le spell cycle. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, c'est trop tard. Hein. De toute façon, on n'avait plus qu'à mettre des boules de feu, etc. Et c'est réglé. Hein. Donc, là, il reste plus que deux bûches, une boule de feu, ou deux boules de feu, une bûche. Ou enfin, pardon, deux boules de feu tout court. Donc, on redéfend directement. On a claqué la boule de feu, par contre. Donc, on va devoir claquer plus de ressources. On va devoir claquer les archères. Le golem de glace pour défendre la horde, mais ça passe très très bien. Il reste plus qu'une boule de feu pour aller finir côté Air Surfer. Il fait ce qu'il veut, hein. Il fait ce qu'il veut dans le jeu Air Surfer. Hein. Il mérite tellement sa première place. C'est hallucinant, hein. C'est hallucinant ce niveau de jeu. Hein. Ça donne vraiment envie de jouer Arc-X. Hein. C'est hypant, hein. C'est vraiment, c'est incroyable. Hop là. Alors, Air Surfer, 88 victoires de défaite. Est-ce que vous imaginez un jour que ce serait possible d'avoir des stats comme ça quand même? C'est insane, hein. Et Dieu sait que les autres sont bons, hein. Ruben, JinTV, etc. Ils sont vraiment super solides aussi, hein. C'est magique, hein. Bon, on en reprendrait bien une petite hein, d'Air Surfer quand même, une petite victoire d'Air Surfer, une petite vidéo là. S'il relance, on relance, sinon du coup j'arrêterai la vidéo là-dessus. Ah là 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 là, ils sont chauds, ils sont chauds. Ok, il a relancé, bien sûr qu'il a relancé. Alors, Yuka Smoking Deck, ça joue quoi? Ça joue de la MG en face, donc potentiellement du golem. J'aimerais bien avoir du golem. Moi j'aimerais tellement tomber en golem contre Air Surfer, voir comment il peut se débrouiller contre le golem. Ici, s'il y a golem, il peut le mettre. Est-ce qu'il lag? Bon, bah ouais, en tous les cas, il a dû laguer hein, parce que les réponses elles arrivent super tard. Donc peut-être qu'il lag aussi Air Surfer, hein, parce que là la tour elle est restée vierge. Ok, c'est quand même surprenant ces lags, hein. Ça gâche un peu le jeu, hein, mais bon, tant pis. Hein. Le poison qui est mis, parce que pourquoi pas, mais c'est 4 ressources qui coûtent vraiment très très cher en élixir fin. Hein. Vraiment, je vous recommande pas de gratter les tours en poison en élixir fin, hein, surtout en beatdown. Hein. Il met sa Dark Witch, mais beaucoup trop tôt, pourquoi il la met maintenant? Pourquoi? Je sais pas, encore une fois, hein, au golem, vous avez pas envie de perdre des Dark Witch gratuitement comme ça. Hein. Fuite barbare, quelque chose. Ouais, ok. Mais il touche pas l'Arcux avec. Ah là, j'aimerais tellement avoir le match-up côté Delmania contre Air Surfer ici. Bon, évidemment, pas avec les lags, hein. Si lag, c'est pas marrant, mais en tout cas, le match-up est. Le match-up est assez kiffant et voilà, normalement vous mettez votre golem à cet endroit-là, sauf que là il n'a pas forcément besoin de le mettre directement tout de suite en premier et à cet endroit-là, mais en tout cas c'est l'idée. Vous le mettez en boucle à cet endroit-là et normalement l'Arc-UX n'arrive pas à connecter chez vous, sauf que là bah, il y a déjà eu trop de dégâts en early, hein, donc sur la tour de droite, etc. Donc Air Surfer il peut juste spell cycle s'il en a envie, là il a juste à défendre. Là normalement vous mettez votre poison ou alors vous faites une tornade directement avec vos troupes de support derrière, là il décide de partir sur le poison, ça marche aussi. On a directement le petit bûcheron qui passe. Ok.
Ok, donc là on va mettre quelques dégâts sur la tour, hein. Quand même, mine de rien, la boule de feu qui est claquée, il y a le barbare qui va vouloir remettre des dégâts, mais il va pas pouvoir, normalement on remet un golem ici, non, là c'était une erreur, il aurait jamais dû claquer cette tornade, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non, n'importe quoi, Denmanie, t'as le match-up! Bon, ok, normalement vous mettez votre golem ici, hein, donc là il aurait dû le remettre directement, il n'a pas besoin de claquer la tornade, bon après il reste 58 dégâts, donc il va décider d'aller faire ça, et il va essayer d'aller chercher la victoire en faisant un gros push derrière, donc il va sûrement mettre sa Dark Witch, dès qu'il récupère de quoi mettre le bûcheron, il va sûrement le mettre. Potentiellement ça aurait pas été déconnant de mettre une MG là-bas, mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur play. Donc ici il peut remettre un poison. Il aurait évidemment préféré avoir sa tornade à ce moment-là, hein, mais bon tant pis, hein, c'est ce qui est fait est fait. Le B dragon qui est très mal mis, hein, il aurait pas dû le mettre, il aurait dû juste repartir sur son golem derrière. Hein. Il n'y avait pas besoin de rajouter une carte ici, le push était déjà reset. Air Surfer va pouvoir du coup se permettre de mettre un bon petit Arras, donc sûrement il va spell cycle pour finir ici, Air Surfer, on verra bien ce qu'il décide de faire. Donc ici on peut par contre remettre pas mal de cartes derrière le golem, donc on peut remettre l'MG, on peut remettre la sorcière noire surtout. Allez, la sorcière noire, allez, il faut la mettre plus rapidement, oui. Il a pas envie de se faire rusher, donc c'est pour ça qu'il attendait. Ça par contre c'est bien joué, hein. Il demande pas avoir tout mis directement. Le golem il va falloir aller connecter sur la tour. Est-ce que Air Surfer a pas perdu ici? Tac tac tac, est-ce qu'il a pas perdu? Non, je pense pas tout de suite en tout cas. La Darkus, elle va pas pouvoir aller finir. On mettra même pas un coup de batte non plus, donc il va devoir aller chercher le hold-up. Comment il va chercher ça? Sûrement avec du golem de glace dans le coin. Il va retenter. Soit il va retenter un push à cet endroit-là, soit il va tenter autre chose, mais c'est vrai que c'est pas évident. Le match-up, pour le coup, voilà, il le joue moyennement bien d'une manière, mais dans l'idée, il fait pas forcément des trucs déconnants. Donc là, par contre, il le savait, hein, que ça allait repartir comme ça en archère sur le côté, donc il fallait qu'il fasse très attention à ça. Ça passe, ok, il l'emporte, c'est bon. C'est pour ça que Jin, enfin, qu'il cherchait à dodger Jin, hein, parce que Jin, pour le coup, il devait sûrement savoir comment jouer ce match-up. Donc il aurait pas perdu. Hein. Donc voilà, mais à la place de Delmania, le match-up est vraiment super simple. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre comment les gens perdent en golem. Enfin, ou alors ils savent pas comment le jouer, hein, évidemment. Et on est reparti du coup sur un autre match de Air Surfer. Alors on a Sao contre Air Surfer. Qu'est-ce que ça va jouer, hein? Alors, on a une tombstone, ça peut vouloir dire plein de choses une tombstone. Hein. Donc, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ça. Cette tombstone, c'est une carte assez polyvalente, mine de rien, qui peut être présente dans plein de decks. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, dès qu'il y a des spawners en face, il met directement l'Arcanix au milieu pour gratter le spawner. Donc, on est obligé de mettre les spawners derrière si on veut spawner. Ici, sachant que la tombstone, c'est plutôt pour défendre. Ok, donc on est sur du Molosse. Ah, voilà un match-up qui va être kiffant. J'ai hâte, hein. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ça c'est bien, hein. Les match-up Golem et Molosse, je suis bien content de les voir contre Air Surfer pour voir comment il arrive à se débrouiller contre ça. Donc on a le Molosse côté Sao qui est pas accompagné du ballon, ah, il lag, non. Ah non, je voulais voir un vrai match-up moi. Ah mais non, pourquoi le ballon il est là-bas du coup? Pourquoi il est aussi loin le ballon? C'est quoi ça? Ok, donc les petits pops ils vont aller faire quelques dégâts à la Tesla. La Tesla va taper un peu le ballon va réussir quand même à connecter. Bon, il y a sûrement des lags hein, des côtés des joueurs là, sinon ils auraient pas joué comme ça. C'est vraiment super reprenant, ouais. C'est dommage qu'il y ait des lags, hein, ça gâche un petit peu la fête, mais bon. C'est comme ça. Hein. On repart directement à l'attaque avec la MG et les petits minions. Pareil, je suis pas spécialement convaincu de ce move, mais pourquoi pas. Hein. Du coup, on a l'Arcanix Carrier. Pourquoi ils vont le faire? C'est vraiment des trucs bizarres. Bon, en tout cas, la bûche est très réactive côté Air Surfer. Et du coup, l'Arcanix va réussir à prendre la tour. Hein. Mais bon, en même temps, ouais, je sais. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à un beau match-up. Moi, je m'attendais pas. Bah, si les joueurs lag, ils lag. Hein, mais même si tu lag, c'est bizarre que tu mettes une boule de feu comme ça sans savoir les dégâts sur la tour. C'est surprenant. Ok, donc Air Surfer, il recycle derrière. Et on repart en 3 étoiles côté Molosse. Ok. On va sûrement avoir du coup un Arcanix qui va être positionné soit par là, soit ok là, directement en face. Donc du coup il faudrait qu'on ait le ballon, mais il faudrait qu'on puisse se connecter au jeu. Mais c'est bizarre qu'il le mette aussi loin son ballon, je sais pas de quoi il a peur. Parce qu'il n'y a pas de roquette hein, dans le deck d'Air Surfer, il y a juste une boule de feu, donc ça lui aurait pas fait si mal que ça. Je sais pas, honnêtement, j'ai pas tout à fait compris ça. Donc bah du coup il se la prend quand même la boule de feu, au final le ballon passe devant.
Ok, on a un deuxième molosse, ça c'est bien joué, hein. Double molosse, ça met vraiment une bonne pression sur les Dakar QX, maintenant il faut réussir à les accompagner somehow, somewhat. Ok, donc là on a du coup une première explosion pendant que du coup tout le monde tape le molosse, et là on a plein de petits pops de partout, et évidemment il n'y avait pas la boule de feu qui était revenue, elle vient seulement de revenir, le ballon va réussir à connecter, il connecte un coup, ok. Donc ça va faire quand même ses 1000 dégâts, hein, donc c'est pas déconnant, après voilà, il y a quand même un gros avantage côté RQX qui a été pris, en plus on n'a pas les ressources hein, pour aller défendre, donc du coup je pense qu'il fallait pas claquer. En fait, c'est une erreur que les joueurs font souvent, je trouve, contre RQX. C'est qu'ils s'ils voient l'RQX, ils défendent immédiatement, mais avec des cartes qui. Ou alors, ils n'ont pas la mana pour. Donc, soit ils ont trop claqué de mana, du coup, le joueur RQX réussit à prendre l'avantage là-dessus. Soit après, ils sont en retard de mana et ils claquent quand même leur mana, et du coup, ils prennent un gros retard. Et ici, bah, du coup, Air Surfer a réussi à gagner la partie. Et donc très bien joué à lui. Hein. Donc voilà, c'est ça, hein, contre Arclix, faut vraiment pas overextend, faut pas claquer trop de ressources non plus. Et là il reste plus qu'une boule de feu pour les finir, donc ça va arriver tout de suite, bim! Et voilà, ça passe. Bon, et on va arrêter la vidéo là-dessus, du coup, on a vu beaucoup de parties hein, de Jhin, d'Air Surfer, etc. Vous avez largement du coup du contenu pour voir un petit peu comment il a pu arriver avec autant de victoires. Donc j'espère que vous avez pu apprécier, j'espère que vous avez pu kiffer autant que moi. Alors, vraiment, c'était super actif ce fin de rush. Et bah grosse félicitations à Air Surfer et voilà. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, les vidéos sont vraiment faites pour vous, et je vous souhaite une excellente journée.